Eh bien, salut tout le monde, les amis, c'est Phonix2 et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la saison, tout simplement. Et oui, ça y est, on a déjà fini cette année sur YouTube, enfin cette année, en année YouTube, enfin pour moi en gros, début d'année scolaire, fin des vacances d'été, pour moi c'est une saison sur YouTube. Je compte pas avec le nouvel an. Désolé, je suis un peu malade. Et voilà, alors c'est une vidéo conclusion de cette saison qui a été plutôt bien pour moi. Enfin, j'ai bien aimé tourner cette année, même si malheureusement, cette année c'est un peu la reprise de ma chaîne. Parce que comme beaucoup le savent, pour ceux qui sont encore là, bien sûr, j'ai eu un moment énorme de pause parce que je pouvais plus, je savais plus quoi faire, pour être honnête avec vous. Et maintenant, je me retrouve voilà, en fin de saison parce que j'ai essayé un peu de reprendre cette année, comme vous pouvez le voir, des vidéos. Donc. Il y a 11 mois, avec Rainbow Six Siege, ça a été assez irrégulier, j'ai essayé de me remettre un truc, d'essayer de faire des lives, et j'ai repris goût petit à petit à YouTube, c'est vrai. Et voilà, donc c'est pour vous annoncer cette fin de saison, donc il n'y aura plus de vidéos pendant 2 semaines, quoi. La rentrée, ce sera le 2 septembre, et je vais revenir avec des vidéos que je vais essayer de mettre régulièrement pour vous. On verra comment on peut faire. D'ailleurs, au passage, sur cette saison, on a atteint les 25 000 abonnés. C'est énorme, enfin pour moi, franchement, je suis très content de les avoir atteints. Et franchement, merci, je saurais pas comment vous remercier. Certes, je fais pas mes vues, vous êtes 25 000, mais je fais pas 25 000 vues à chaque vidéo. Mais je suis très heureux qu'il y en ait qui regardent et ça me fait vachement plaisir. Et aussi, les amis, cette année, je sais pas si il y en a beaucoup qui voient, mais il y en a aussi beaucoup qui le voient pas. Mais il y a l'espace communauté de la chaîne qui est actif où je partage ce qu'il faut, voilà, des photos de vacances ou n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que pour la prochaine saison, donc ça reprendra en septembre, on verra quand ça reprendra, de toute façon vous le verrez, je vous tiens au courant tout, même en vacances, entre guillemets, pour moi, je vous tiens au courant par l'espace communauté, donc je ne reste pas inactif. Mais sachez qu'à la prochaine saison, ça va être différent. Ça va être vraiment différent. On va se projeter. Là, je vais commencer à vraiment partir un peu dans tout. J'ai envie que ma chaîne soit diversifiée. Je sais pas si ça se dit. J'ai envie de changer un peu. Pas que du Minecraft, pas que des jeux vidéo, vous voyez, comme vous avez pu le voir. J'ai sorti une vidéo de téléski nautique. J'espère qu'elle vous aura plu d'ailleurs. Et. N'hésitez pas à aller la voir, en plus je regarde tous vos commentaires, il y a 15 likes et 0 dislikes, ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas à aller la voir, c'est des vidéos que je prends du plaisir à tourner, et du temps et de l'argent, parce que bon, le ski nautique et la GoPro, c'est pas forcément gratuit. Et voilà quoi, c'est pour vous dire que à partir de la prochaine saison, il n'y aura pas que du gaming, ça va être vraiment diversifié. Ça peut être n'importe quoi, ça peut aller du live de vide-grenier, voilà, pour vous dire. Aux vidéos vlog, c'est possible, car sachez qu'à la rentrée scolaire, à la prochaine saison de ma chaîne YouTube, je vais montrer ma tête, tout simplement. Ma tête sera à la place de mon logo Minecraft, et je vais, si je, au plus vite, je changerai la bannière, car les jeux vidéo, ça y est toujours, mais ce sera moins. Donc maintenant vous verrez ma tête. Enfin, il n'y a pas de souci, je l'assume et si ça vous fait plaisir, voilà. Et il y aura des vidéos forcément vlog, ça peut être aussi des vidéos de sport extrême, de sport, ça peut... du gaming, hein, des lives, des vidéos Minecraft, ça changera pas, ça y sera toujours, mais ça y sera moins, faut que vous le sachiez. Il y aura plein de trucs comme ça, et je vais essayer de faire mon mieux pour divertir la chaîne, et peut-être pourquoi des sketchs, des courts-métrages dans la vraie vie comme dans les jeux vidéo, ça peut être n'importe quoi. Pour la prochaine saison, sachez-le, c'est que je déborde d'idées en fait. J'ai beaucoup d'idées pour la prochaine saison, en espérant pouvoir les tourner à temps, les poster à temps, ne pas vous faire patienter, ne pas faire patienter les nouveaux abonnés qui arriveront. Ça va être... Une année assez chargée pour moi, je pense, parce que du coup, comme beaucoup le savent, je suis au lycée, en lycée pro, et rentrer le soir, écrire des vidéos, et après les tourner jusqu'à je sais pas quelle heure, ça va être assez serré. Et voilà quoi. Donc, on verra bien comment ça se passe cette saison, et je vais essayer de faire un maximum de mon mieux pour sortir de bonnes vidéos, bien, bien foutues, voilà. Déjà actuellement je me charge de ma bannière et de mon logo YouTube parce que comme je vous l'ai dit on réinitialise. Et voilà, c'est un peu une remise à zéro quoi. C'est
Un nouveau départ, la nouvelle saison, ce sera un nouveau départ. Donc je sais pas combien de temps ça fait que je suis sur YouTube, on va regarder ça tout de suite. Ça doit faire un sacré moment, un sacré moment. Voilà, ça fait 4 ans déjà, peut-être 5 même je crois. Donc ça fait 4 ans, donc là on va passer à la cinquième saison de la chaîne. Ça fait beaucoup, hein, je vous avoue que en 4 ans, voilà quoi. Ça fait plaisir d'avoir encore ma chaîne, d'avoir évolué, parce que c'est vrai qu'il y en a en 4 ans, ils font pas... Enfin, je vais en dire, chacun son parcours, et vous pouvez... J'avais bombardé à l'époque, parce que je débordais d'idées, et en fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression de me forcer, à partir de cette vidéo-là, vous voyez, Dying Light, j'avais l'impression de me forcer, en fait. Il y a des vidéos où j'ai pris du plaisir à tourner, où j'ai rencontré des gens bien, voilà, et... Franchement, après j'ai commencé à me lasser et à me forcer. Et bon, autant vous dire que 150 vidéos où je suis un peu forcé de les faire, c'est un peu chiant, lassant. Vous voyez quoi? Et bon, faut se mettre un peu à la place du youtubeur parfois. Et au final, vous voyez comme quoi là j'ai repris goût et je compte pas vous laisser tomber cette fois-ci. Je vais faire de mon mieux pour rester actif, hein, tout simplement. Et de toute façon, je vous tiens au courant par l'espace communauté pour ceux qui sont toujours là et intéressés par la chaîne. Et il y aura toujours des lives quand je pourrai disponibilité. Je vous ferai un live si ça vous fait plaisir. Souvent, il y a des gens qui passent par-ci par-là. On a des modérateurs qui chargent de la chaîne. Je parle de Dimé69 que vous connaissez très bien en live et d'Undercool que vous connaissez très bien pour les vieux joueurs du roleplay et pour ceux qui jouent à Arcanite par exemple. J'ai deux modérateurs, il y a Ninox aussi qui est modérateur, et les trois peuvent se charger de la chaîne à n'importe quel moment sur les lives, et ça peut que bien se passer. Et voilà les amis, je pense qu'on aura fait un peu le tour pour cette saison. Cette saison, j'ai pas vécu beaucoup de choses, à part les 25 000 abonnés, parce que bah, le problème, c'est comme je vous ai dit, j'étais moins actif. Mais la saison prochaine, j'espère que ça se passera mieux pour moi comme pour vous. Et voilà quoi, on espère le meilleur pour la saison prochaine. En attendant, les amis, je pense que bon, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo récapitulative de cette année vous aura plu. Et je vous souhaite à tous de faire une bonne rentrée d'ailleurs en cours, c'est important ça. Ne vous. Et bah, rentrez bien en cours, quoi. C'est bientôt la rentrée et bah, j'espère que ça se passera bien pour tout le monde, peu importe ce que vous faites, de l'école primaire au collège, au lycée, au DUT, BTS, tout ce que tu veux. Il y a tellement de trucs maintenant. Il y a beaucoup d'études au bac pro. Voilà quoi. Je vous souhaite une bonne rentrée à tout le monde, à tous mes abonnés, même toi, si tu tombes par hasard sur cette vidéo. Et en attendant, les amis, ben moi je vous dis à dans 2 semaines, à septembre plutôt, à la rentrée scolaire, pour de nouvelles vidéos et la saison numéro 5, tout simplement, en espérant que... Cette saison sera superbe, voilà. Les amis, je vous dis à la prochaine et encore merci de me suivre et encore merci pour les 25 000 abonnés. Ciao, ciao.